Une nouvelle fois, TSA Direct. Nous sommes le dimanche 10 juin, c'est le 25e jour du Ramadan. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ismaël Almas. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de TSA. Vous êtes donc expert en économie, vous êtes aussi président de l'association Algérie Conseil Export. Effectivement. Donc on va parler un peu d'économie et d'exportation et de ce qui se passe donc sur le marché, le commerce extérieur. On commence tout de suite par l'actualité, c'est Ismaël, avec l'histoire de la pomme de terre algérienne refoulée ou rejetée par les Russes, les partenaires russes, parce qu'elle contenait beaucoup de pesticides. Oui, bismillah. Ben oui, c'est l'actualité, c'est vrai. Depuis quelques jours, on n'entend parler que de ça. La marchandise algérienne refoulée par certains pays. Il y a la Russie, vous avez cité la Russie, mais il y a le Qatar et la France aussi. Le France a rejeté. Et pas uniquement la pomme de terre, d'ailleurs. Hein. Il y a eu les dattes, il y a eu d'autres produits. Mais ce que je trouve curieux, c'est que c'est une chose qui arrive. Hein, quand on fait, parce que là, l'Algérie, depuis quelques temps, commence à faire un peu de volume. Et à partir de là, bien sûr, il y a toujours des retours de marchandises. C'est une petite quantité qui a été refoulée. Hein, il faut pas exagérer. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi toute cette cabale autour de cette histoire? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Ça a toujours existé. Ça existe dans d'autres pays. Il y a des marchandises qui sont refoulées au quotidien. Mais là, pourquoi en parler de cette manière? Pourquoi médiatiser de cette manière de l'histoire, sachant que beaucoup d'Algériens, beaucoup d'exportateurs sont découragés suite à cette histoire, alors qu'on aurait pu traiter autrement la question et lui donner la vraie dimension. Il y a une partie de la marchandise qui a été refoulée, sans plus. Maintenant, il est clair que la marchandise, avant d'être exportée, doit subir un certain nombre d'analyses. Je me demande comment cette marchandise a pu quitter le territoire national dans l'état, avec les résultats aussi négatifs, quoi. Donc là, je pense que on aurait dû enquêter au niveau des services de contrôle. On aurait dû voir ce qui ne va pas au niveau des services de conformité avant de médiatiser de cette manière cette question et discréditer le produit algérien. Donc Discréditer le produit vous algérien. pensez que c'est nocif un peu cette histoire Ah oui, ah oui, pour les ça casse, exportateurs algériens? bien sûr, ça casse l'image de l'Algérie, ça casse l'image du produit algérien, ça casse l'image de l'offre exportable algérienne et aussi ça décourage énormément l'exportateur. Nous sommes au début d'une aventure, disons, là, depuis quelques temps, depuis quelques mois, il y a beaucoup d'exportateurs qui s'intéressent, d'opérateurs qui s'intéressent à l'activité export. Nous avons commencé à encourager les gens, à inciter les gens, à les orienter vers des créneaux comme l'exportation de produits agricoles. On a commencé à faire un travail de lobbying, si vous voulez. Ça commence à donner, à porter ses fruits, mais ce qui me désole, c'est de voir des Algériens censés développer cette activité, casser cet élan, et je ne peux pas accepter cela. Vous parlez de l'association des exportateurs, vous Je parlez ne sais pas, les gens qui ont éclaté le dossier là, je n'arrive pas à les comprendre. Ce n'est pas normal que des Algériens médiatisent de cette manière cette histoire-là, et de cette manière, c'est inacceptable. Donc vous pensez qu'il y a des lobbies qui sont contre la présence du marché du produit algérien à l'extérieur? Eh bien, c'est clair, hein. Nous avons il y a une concurrence forte sur les marchés internationaux, hein. À partir de là, vous devez comprendre qu'il y a des lobbying, du lobbying un peu partout, et notamment tout ce qui touche à l'agriculture. C'est un grand créneau, c'est un grand marché, et c'est des histoires de milliards de dollars, de chiffres. Donc, quand vous avez un acteur comme l'Algérie qui essaie de se positionner sur ces marchés-là, eh bien, automatiquement, ça suscite une certaine inquiétude. Et si on commence vraiment à se positionner sur ces marchés, je pense qu'on aura des parts très intéressantes sur un certain nombre de marchés, notamment il y a l'Europe. Vous savez, moi j'ai reçu des Algériens qui habitent en France, ou là des Français, ou là des Marocains qui sont là-bas, qui sont installés là-bas. Ils me disent, je n'arrive pas à vous comprendre, il suffit de mettre le drapeau algérien sur les produits algériens et produits agricoles, et même si c'est plus cher que les autres produits, le produit algérien passe. Donc, il y a des inquiétudes de la part de certains lobbies, certains opérateurs ou certains concurrents. Bon, je n'irai pas à les accuser directement, mais c'est automatique, hein, l'inquiétude s'installe dès qu'il y a un nouvel opérateur qui se positionne sur des marchés. Est-ce que les Algériens, justement, les exportateurs algériens, ne devraient pas aussi eux-mêmes créer des lobbies sur les marchés extérieurs, avoir des réseaux pour influencer et pour avoir des parts de marché? Ben écoutez,
c'est très difficile d'aller dans ce sens. Hein, si vous voyez que déjà à l'intérieur nous avons des problèmes entre nous. Alors que l'idée est d'Algérie. Quand des Algériens dénoncent, cassent l'élan l'exportation. Moi, je me dis que déjà il faudrait nettoyer la maison Algérie. Hein. Vous pensez qu'il y a du sabotage ? Bah oui. La façon avec laquelle l'affaire a été médiatisée, moi je suis persuadé qu'il y a du sabotage derrière tout cela. C'est pas normal. Dites-moi quel est le but, l'objectif de toute cette cabale. Je n'arrive pas. Moi, j'aurais pas laissé passer l'histoire, mais j'aurais traité autrement, avec de façon technique, purement technique. Et nous savons qu'on est au début de l'aventure export. Hein. Nous n'avons pas de tradition dans l'export, etc. Nous ne maîtrisons pas toute la chaîne. Et on peut tomber dans des situations pareilles. On peut faire des erreurs de temps en temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on aurait pu expliquer aux gens que, par exemple, sur 5000 tonnes de pommes de terre, il y a eu 20 tonnes ou 30 tonnes de refoulées. Donc, ce n'est pas toute la marchandise. Ce n'est pas toute l'offre algérienne qui est mauvaise. Là, on a diabolisé l'offre algérienne. Et là, je ne peux pas l'accepter. Maintenant, il nous faut beaucoup de temps pour redorer un peu l'image. L'image, parce que la médiatisation, parce qu'il y a eu un sabotage. Moi, je le dis, il y a eu un sabotage en interne. Donc, c'est en Algérie. Oui. Les autres, non. Les autres ne travaillent pas de cette manière. Sauf s'ils ont des relais en Algérie qui font le sale boulot. Ça peut venir d'où, par exemple? Des partenaires algériens? Enfin, des partenaires, ce n'est plus des partenaires si on nous traite de cette manière. Donc, peut-être des concurrents. Ouais. Peut-être des concurrents qui se projettent sur 5 ans, sur 10 ans, et se disent, tiens, un pays aussi grand que l'Algérie, un pays aussi vaste que l'Algérie, avec les moyens dont nous disposons, nous sommes automatiquement censés être un concurrent sérieux sur les marchés extérieurs. Ouais. Vous imaginez, avec ce qu'on a comme moyens, ce qu'on a comme terre, ce qu'on a comme... On pourrait vraiment envahir les marchés européens et étrangers. Donc là, je suppose que ce sont des gens qui réfléchissent bien, qui se projettent sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, et se disent, tiens, il y a un concurrent sérieux, on doit l'arrêter dès maintenant. Oui. Et est-ce que cela, justement, n'incite pas à aller vers une véritable stratégie d'exportation? Avec logistique, avec des techniques, avec une politique de communication, etc. Vous savez, depuis quelques années, je parle de la stratégie de développement des exportations. Si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on aborde le sujet des exportations, hop, on parle de la douane, de la banque, les problèmes à dos, mais c'est de l'opérationnel. Moi, quand j'arrive au niveau de la douane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une offre exportable, j'ai fait mon diagnostic export, j'ai pu faire l'étude de marché, j'ai mon client, ça y est, je suis arrivé au bout. Oui. Donc ça, c'est de l'opérationnel. Moi, je dis que la problématique se situe au niveau de l'absence de stratégie export. Je l'ai dit au ministre Lahir Mouberti, on avait commencé à faire le travail d'aide à la mise en place de la stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? Elle repose sur 3 questions. Quoi exporter? Où exporter et comment exporter? Quoi exporter, c'est la question primordiale. Qu'est-ce qu'on a à exporter? Identifier l'offre exportable. Et ça, c'est un chantier. Pourquoi? Parce que c'est pas, contrairement à ce qui se fait actuellement, c'est pas le ministère du Commerce qui va exporter. Le ministère du Commerce, il coordonne, il organise. Mais c'est les secteurs productifs qui sont censés me donner ce potentiel-là que je dois exporter. Donc, il y a un travail de diagnostic au niveau de chaque secteur. Oui. L'industrie, l'agriculture, etc. Et à partir de là, une fois l'offre est identifiée, nous devons faire le travail nécessaire pour la rendre exportable. C'est-à-dire la calibrer, la valoriser, la normaliser, la conditionner, etc., etc., de façon à la rendre adaptable aux besoins des marchés extérieurs. Donc, vous voyez qu'il y a un travail très intense pour identifier cette offre-là qui n'a pas été jusqu'à présent, ce travail n'a pas été fait. Il y a l'autre question, c'est les marchés. Et là, on parle de Russie, on parle d'Afrique. Vous avez dû voir et constater que depuis quelques années, l'orientation du gouvernement, c'est en direction de l'Afrique. L'Afrique, Sahara. Bien qu'on ait négligé l'Afrique pendant très longtemps. Exactement. Et on nous dit, tiens, l'Algérie doit revenir en Afrique. Ouais. Mais on n'a jamais été en Afrique pour retourner en Afrique. Même si on est le plus grand pays d'Afrique. Et on est complètement inexistant. Deux. On négocie avec les Européens pour les accords de libre-échange, etc. Et on parle d'exportation en Afrique. Voilà. Mais on est en train de négocier. On a négocié et on a les accords de libre-échange avec les Européens. Pourquoi on a signé? Si c'est pour bénéficier des avantages accordés dans cet accord, pour pouvoir exporter. Exporter facilement. Facilement. Et on négocie avec les Européens et on nous dit, tiens, allez-y en Afrique. Non.
Je suis. C'est un marché intéressant, c'est un marché porteur. Mmh. On parle de 1,5 milliard de consommateurs, un marché d'un 1,5 milliard d'habitants, très demandeur, etc. Mais il faut négocier avec les Africains aussi, oui. pour des accords de libre-échange. Moi, quand je vais exporter en Afrique, je paye 40 ou la 50 ou la 30% de taxes. Oui. Les Marocains, les Tunisiens, les Turcs, les Français, etc., ne payent rien. Oui. Soit ils sont dans l'OMC. Soit ils ont des accords de libre-échange. Alors, alors que l'Algérie n'est pas dans l'OMC. Ni on est alors dans l'OMC, ni on a des accords de libre-échange avec ni la COMESA, ni la CDAO, ni aucun pays. Donc à partir de là, récemment, il y a les signatures de l'accord de libre-échange. Oui, c'est un projet. Interafricain. C'est un projet, mais c'est une bonne chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on oublie. D'ailleurs, dans l'argumentaire de nos responsables, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça y est, c'est bon, on va signer, comme ça on va pénétrer les marchés africains plus facilement. Mais on oublie qu'en signant cet accord, les Africains aussi pensent venir aussi en Algérie, exporter en Algérie. Et quand on parle de l'Afrique, on parle pas de l'Afrique en brut, on parle de l'Afrique avec toutes les puissances étrangères qui sont sur place, les puissances économiques qui sont sur place. Donc on va pas se battre avec les Africains uniquement, mais on va se battre aussi avec les multinationales qui existent. Sur place, qui sont derrière même cet accord, qui sont en train d'encourager cet accord pour gagner en espace, en termes de marché. Donc, il y a un grand travail qui nous attend. C'est passionnant comme travail, mais si on s'y prend bien, vous parlez de stratégie, je vous ai parlé de questions, maintenant le comment. Le comment, mais justement, comment exporter? Là, je suppose que la première question que vous allez me poser, avec quels moyens? Avec quels moyens aussi? On n'a pas de bateau, on n'a pas d'avion, on n'a pas de bicyclette, on n'a rien. Avec quoi on va exporter vers l'Afrique? On avait 70... Il y a quand même des navires, cargo, non? Non, je crois qu'on vient d'acquérir deux bateaux, et on a un avion cargo. Voilà ce qu'on a. Voilà. Deux bateaux sur une flotte qui est évaluée à 80 bateaux les années 80. Donc il faut rembourser la marchandise, la marine marchande. Nous devons mettre en place une politique de transport et de logistique qui répondrait aux besoins de la situation et aux besoins des exportateurs et de l'exportation, tout simplement. Oui. Nous sommes les plus chers en termes de logistique, nous sommes les plus chers en termes de transport. Allez-y, exporter, etc. C'est très difficile de le faire, mais nous sommes en train de le faire. Nous avons commencé à le faire. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de volume, c'est négligeable, mais il y a un début à tout. Il y a des agriculteurs, monsieur Lalmas, par exemple de Biscala, qui exportent vers l'Europe, notamment vers l'Espagne et la France, par camion. C'est des camions qui traversent une bonne partie de l'Algérie pour passer aux frontières par bateau pour aller en Espagne et en Europe. Donc ça peut être une solution. Oui, c'est l'une des solutions. Bon, j'imagine que c'est des petites quantités. Oui. C'est pas du volume. Mais moi, j'encourage ces gens-là à faire cette traversée, à utiliser ce moyen pour essayer d'exporter. Mais c'est des petites quantités. Oui. Quand on parle d'exportation pour l'Algérie, quand on parle d'exportation, on parle d'activité qui est censée remplacer l'activité pétrolière. Dominante. Voilà, donc nous sommes à 40 ou à 50 milliards, bon, selon le prix du pétrole de chiffres. Il faudrait. Nous avons besoin de 50 milliards, ou la soit minimum 50 milliards pour pouvoir vivre dans ce pays. Oui. Il nous faut des activités qui puissent générer cette masse d'argent, ce chiffre d'affaires. Donc là. Une économie de production. Une économie d'exportation. Exactement. Ouais. Une économie d'exportation. Ouais. C'est ça le terme. Une économie d'exportation. Ouais. Et on se pose la question en ces temps, pourquoi on n'arrive pas à exporter? Nous n'avons jamais eu d'économie à des Wahda. Deuxièmement, nous avions un semblant d'économie basée sur la rente pétrolière, elle existe encore. Et on se dit, tiens, là, les Mtsadara, avec quoi? Il faut un modèle pour cela. Quand on parle d'exportation, ici, on parle de modèle économique. Donc, vous parlez d'un modèle d'exportation. Mais c'est un modèle économique. Oui. Donc, si on veut exporter, on doit construire, bâtir un modèle économique complètement nouveau, axé sur l'exportation. On se dit, pourquoi on ne fait pas de chiffres? Nathalie Kana, pour que nos amis comprennent bien la situation. Quand on n'est pas branché export, on n'arrive pas à la... Mais je vais illustrer un peu, c'est un exemple que tout le monde va comprendre. En Algérie, quand on parle d'exportation, on parle d'exportation hydrocarbures et hors hydrocarbures. Hors hydrocarbures, on fait à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires, de recettes hors pétrole.
Les exportations des hydrocarbures. Les hydrocarbures ont fait à peu près 30, 40, 50 milliards selon le prix. Mais regardez ce qu'on a fait, ce qu'on a mis comme moyen pour atteindre le chiffre d'un. Nous avons une volonté politique claire. Hein, la présidence, le trait de malade. Il y a le gouvernement à travers le ministère de l'énergie, un grand ministère avec les moyens que vous connaissez. C'est le ministère qui met en place la stratégie. Hein, qui exécute la stratégie? C'est Sonatrach, c'est la plus grande entreprise en Afrique. En Afrique. Hein, Saha. Chauffe. Sonatrach, après, qu'est-ce qu'il faut pour tout ce qui est financement et tout? Vous avez la BEA, qui est la banque de Sonatrach. Hein, qu'est-ce qu'il faut quoi, pour les transports et tout? Vous avez les trucs de, les oléoducs et les gazoducs, les bateaux, etc. Pour la formation, vous avez des écoles dédiées à cela. Hein, l'INAPI, je crois, etc. T'as le pétrole, les instituts de pétrole et tout. L'IAP. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez des partenaires de son attrait, des partenaires étrangers, qualifiés, etc. Vous avez des bourses à l'étranger, vous avez tout ça. Vous avez tout ça pour réussir l'exportation, pour réussir à atteindre les chiffres. Et des méthaniers aussi. Des méthaniers. Ouais. Et regardez en parallèle ce que nous avons pour l'exportation aux hydrocarbures. Nous n'avons rien. Presque. Nous avons une direction générale au niveau du ministère du Commerce qui est censée s'occuper de... Il y a 3-4 personnes qui s'occupent d'un problème aussi important que cela. Est-ce que parce que dans le logiciel du gouvernement, l'application, j'allais dire, exportation aux hydrocarbures n'est pas encore entrée dans le système? Déjà qu'elle n'est pas rentrée dans le système de nos managers d'entreprise. Oui. Alors qu'en principe, l'exportation est une activité qui est censée intégrer la stratégie de développement de l'entreprise. Oui. Hein, elle fait partie de la stratégie. C'est pas un corps externe. Oui. Elle fait partie de la stratégie de développement de l'entreprise. Donc là, déjà, ça fait défaut. Alors, si vous remontez plus haut, vous allez voir au niveau du gouvernement, au niveau des dirigeants, ils ne maîtrisent pas le sujet. Et quand vous ne maîtrisez pas le sujet, vous avez ce que vous avez, ce que nous avons actuellement, c'est le brouille, on ne sait pas quoi faire, comment s'y prendre, etc. Parce qu'on a eu plusieurs ministres du commerce ces dernières années, vous savez qu'il y a une instabilité assez notable dans le secteur du commerce. Chaque ministre parle de l'exportation à sa manière. Le dernier en date, qui est l'actuel ministre Saïd Jelleb, qui dit que pour exporter, il faut produire. Le gouvernement estime à un certain niveau qu'il n'y a pas assez de production pour qu'on puisse exporter. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, ça c'est une erreur. Oui. C'est une erreur. On ne produit pas pour produire. On produit pour exporter. Mmh. C'est-à-dire là, l'exportation est une opération programmée. Oui. C'est-à-dire, avant de produire, il faudrait que j'ai un marché. Je produis pour répondre à un besoin. Un besoin, présent, hein? Oui. Donc là, c'est une erreur. Vous voyez un peu la méconnaissance du sujet, ça revient à chaque fois. Non, il faut la surproduction. Non, on ne produit pas pour produire. Même pour le marché local, on produit pour répondre à un besoin identifié. Mmh. Donc là aussi, l'exportation doit répondre à cette approche. Produire une fois le besoin identifié. Et produire selon les besoins et produire en adaptant, en modifiant l'offre pour l'adapter aux besoins des différents marchés ou des différents segments de marché identifiés. Donc là aussi, c'est une erreur. Pour la production, on peut produire, on peut développer les quantités, on peut faire du 2x8, 3x8, c'est pas ça le problème. Oui. Mais assurez-moi les marchés. Oui. Vous voyez, assurez-moi les marchés, moi je vais le faire. Donc ça, non. On avait dit que la stratégie export, c'est bien beau d'en parler, mais c'est un grand chantier. C'est pas en 2-3 mois ou là avec un expert du Bnam Light ici qu'on va développer cela. Non, c'est très sérieux comme approche. J'ai dit que la stratégie doit reposer sur un nouveau modèle économique qu'on doit mettre. On parle pas de réforme, s'il vous plaît. Pas de réforme, on n'a rien à réformer, on n'a pas de modèle à réformer, on n'a pas d'économie. Donc on ne peut pas réformer ce qui n'existe pas. Oui. Là, on en parle depuis 86, les réformes, depuis la première, la crise de 86. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Structurel, oui. Qu'est-ce qu'on a fait depuis Hamroche, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Donc les réformes, réformer ce qui n'existe pas, non, ça ne marche pas. Donc là, moi j'appelle à construire une nouvelle économie basée sur les exportations hors hydrocarbures, les exportations hydrocarbures. Donc là, du coup, on se retrouver avec un seul terme d'exportation, économie basée sur les exportations. Exportation, pas hydrocarbures, hors hydrocarbures. Il faut pas dire ça. Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement sortir de l'âge pétrolier, si vous voulez, ou sortir du système entier, n'est pas d'abord une question politique? Vous savez, ce qui est dramatique dans ce pays, c'est qu'on parle de football, on parle de tomates, on parle du prix du lait, etc., et on ne parle pas d'une chose importante et essentielle qui est l'avenir de nos enfants. Vous imaginez, là, vous venez de parler d'une chose très grave. L'avenir de nos enfants dépend du prix du baril du pétrole. Oui.
Mais c'est ça 80, qui est dramatique. Il est à $80 actuellement. Exact. Eh ben, tant mieux. Ouais. Mais il peut descendre à 20, il peut descendre à 10, etc. Ouais. Donc, et à partir de là, c'est ça qui est dramatique. Pour moi, si je fais tout cela depuis quelques années, c'est justement pour expliquer la gravité de la situation. Moi, c'est pas le football, c'est pas cinéma, c'est pas mon truc. Moi, assurez-moi l'avenir de nos enfants. Dès les Disneyland, c'est pas ça. Vous êtes contre le Disneyland? Ah, là, c'est du cinéma. Le projet. On sait ce qui se passe, comment que ça marche. C'est un projet qui va démarrer à $500 millions, il va terminer à $3 milliards, 2,5 milliards, l'Espagne ou le Panama. Les surcoûts. Oui, on sait comment que ça se passe. Ouais. On sait comment que ça se passe. C'est pas nouveau. Donc, dès qu'ils ont vu le pétrole rebondir un peu, hop. On commence à sortir les grands projets. Oui, on peut manger un peu, on peut traficoter. Non, arrêtons. Khlas, on a consommé 1000 milliards ou 800 milliards de dollars. Basta. Maintenant, il faut penser à assurer un avenir pour nos enfants. Ouais. Ah, ce que je demande. Disneyland, c'est bien. Qui n'aimerait pas avoir Disneyland ou Disney, je ne sais pas quoi. J'aimerais bien. Mais moi, je peux pas parler de Disneyland si l'avenir de mon fils dépend de ce pétrole. Je n'arrive pas à comprendre cela. Ouais. Je ne peux pas parler de Disneyland si nos malades meurent au quotidien nos hôpitaux dans une situation lamentable, surtout suite à la grève, t'as les internes, etc. Et l'absence de communication entre les deux parties, les gens meurent dans l'indifférence totale. Moi, j'ai visité un hôpital à Alger. J'ai visité, c'est dramatique. Donc, parler de Disneyland et de football, alors qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup plus graves, je pense que c'est une aberration. Il faudrait passer aux choses sérieuses. Et comment vous expliquez, M. Smaïl Almas, qu'en Algérie, il y a à peu près une cinquantaine d'opérateurs de l'export, il y a à peu près 40 000 importateurs? Ah, ben oui. Ben là, c'est une bonne question aussi. Ouais. Et pourtant, 40 000 qu'on a incriminés. Ouais. On les a accusés de tous les maux du monde. Hein. Ouais. On les a traités de pratiquement de... Je peux plus trouver de qualifiant. Ouais. Depuis la crise, on a dit que le problème de la crise, c'est le problème de l'Algérie, c'est les importateurs. Le problème du monde, c'est les importateurs algériens, etc. Alors que moi, je leur dis que nous avons 40 000 importateurs et la crise aurait dû profiter pour nous. C'est-à-dire, aurait dû profiter pour justement recycler les importateurs, s'il y avait un dialogue, s'il y avait une organisation, si c'était structuré, les transformer, les verser dans l'exportation et dans l'investissement. Ouais. Donc, les inciter à changer d'activité ou la balancer, à passer de l'importation vers l'exportation, vers la production. Je l'ai fait, j'ai réuni 80 importateurs à Boufarik. Ils étaient prêts, enfin, machin, ils étaient prêts. Je les ai incités à produire, à investir. Ils m'ont ramené des demandes. Ils ont été déposer des demandes pour avoir des terres agricoles, pour investir, pour la transformation, pour l'exportation, pour le marché local, etc. Mais Makash, avec qui ils travaillaient, avec qui ils discutaient, avec qui... Il n'y a pas d'aide d'administration, il y a de la bureaucratie. C'est toujours le problème, Mada. C'est-à-dire, on oublie le mal du pays. L'administration a dit la bureaucratie. Mais que je trouve normal, quelque part. Je trouve normal parce que c'est une administration qui a été conçue pour servir les intérêts de certains. Tout simplement. Elle a été conçue pour servir les intérêts des dirigeants. Le modèle jacobin. Eh bien oui, mais c'est clair. Mais c'est clair. Qu'est-ce qui a eu de changé depuis 40 ans l'administration? Rien. Ouais. On en parle, mais rien n'a changé. Donc, ça a été fait dans ce sens. Quand je parle de modèle économique, l'administration aussi. On fait partie. Bien sûr, on doit mettre en place une administration qui accompagnerait ce projet de développement. Mais j'ai qui va freiner. Ouais. Et quand on parle d'administration, quand on parle de modèle, quand on parle de stratégie, on parle avant tout du capital humain qu'on a oublié. Ouais. La compétence, c'est ça. Mais il faut mettre la compétence au centre de tout projet de développement. Et la formation aussi. Certains pensent que, par exemple, pour les opérations, on a parlé de l'importation, pensent que pour certaines opérations, et d'ailleurs, c'est un peu l'argumentaire avancé par le gouvernement de M. Yahya, c'est que les opérations, ou certaines opérations d'importation, sont en fait des exportations de devises déguisées. Ah ben, écoutez, ça c'est clair. Certains ministres parlent de 20% du budget importation, enfin du chiffre à l'import qui représente la surfacturation. La surfacturation. Eh bien oui, c'est clair. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, le problème n'est pas au niveau des importateurs.
Le problème, il est au niveau de nos dirigeants. Vous avez un marché noir. Non, vous avez un marché noir qui encourage cette formule-là. Ouais. Il faudrait casser le marché noir, le réguler ou la réduire, la marge entre le taux officiel et le taux noir, tout simplement. Mmh. Vous avez 60% auprès de différence entre le taux bancaire et le taux noir. Ouais. Mais c'est un taux qui encouragerait tout le monde à surfacturer. Parce qu'il a un marché, il va vendre avec le surplus ADEC, il va le vendre au niveau de ce marché-là. Je l'ai dit. D'ailleurs, même l'importation, j'avais dit, arrêtons d'interdire et de mettre les licences d'importation, mettez des taxes. Ils sont revenus à cela. Mettez des taxes qui décourageraient les importateurs à surfacturer et qui décourageraient les importateurs à sous-facturer. Mmh. Vous voyez ? Donc, une taxe intelligente pour justement arriver au point Hada, au point P, qui pourrait justement nous éviter les histoires de surfacturation et de sous-facturation qui va générer un manque pour le trésor. Mais là, on parle de 30%, 200%, 100%, vous savez quoi, des histoires Hada. Il faudrait être clair, il faut être bien précis. Moi, ce qui est dramatique, c'est que nous avons une situation, nous l'avons diagnostiquée, nous avons apporté des solutions, pratiquez les solutions, mettez en place les solutions. Si c'est bon, dites oui. Si c'est pas bon, calme, non. Trouvez autre chose. Mais ne pas rester avec Dagbar. Là, il faut trouver une taxe qui découragerait et la surfacturation et la sous-facturation. La surfacturation. Et le fait que le gouvernement limite, il y a une liste de produits interdits d'importation. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour protéger la production nationale? Non, ça ne protège rien. Ouais. Ça ne protège rien. De toute façon, quand vous allez sur les supermarchés, enfin les marchés et tout, vous trouvez les produits étrangers importés. Ouais. Ouais. Donc au lieu de les importer par voie légale et payer un peu de douane, on les importe de façon illégale et sans payer rien du tout. Là, ça, des pots de vin ici et là. Mais moi, j'avais dit, arrêtons à des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'économie. Ouais. Les suspensions, les interdictions, les licences. C'est vrai que les licences d'importation sont autorisées, même dans le cadre de l'OMC. Mmh. Hein, mais autorisées pour des cas précis. Quand vous avez une surproduction dans un produit, deux produits, une famille de produits, ok, vous êtes autorisé à pratiquer la licence, mais pendant un laps de temps, pendant 3 mois, 6 mois, ou habes. Et en bas, vous régulez votre marché. Mais pas de façon continuelle. Là, on parle de licence, on est sorti des licences, on nous sort de la liste d'interdiction. On avait dit que ça ne pouvait pas marcher, ça protège rien. Et là, bon, quand on va passer aux taxes, tant mieux. C'est ce que j'avais demandé depuis quelques temps. Je leur ai d'ailleurs donné 3 mois pour lever de la liste. C'est bon. Mais la taxe intelligente, il faut appliquer la taxe intelligente. Vous avez des paramètres qui sont pas standards à ce qui se passe ailleurs. Vous avez le marché noir à deux, il n'existe pas ailleurs. Je pense pas qu'il, même s'il existe, il n'existerait pas avec la différence de taux. Donc, essayez de prendre en considération les paramètres pour justement arriver à mettre en place les taxes à deux intelligentes qui pourraient encourager et faire bouger un peu le business. Nous avons interdit des intrants. Oui. Nous avons bloqué des entreprises. Et vous allez me dire, c'est normal ça? Oui. C'est pas normal. Donc, les arômes. Les arômes, les trucs dans la faïence, plein dans les cosmétiques, dans plein d'activités. Les entreprises ont arrêté l'activité. Donc il faut passer à autre chose et il faut écouter, il faut apprendre à se réunir avant de sortir, à se concerter avant de sortir les lois. Mais la concertation aussi. Mais c'est avec toujours les mêmes personnes. Oui. Là, ils ont prouvé que leur faillite passait à autre chose, changer de tête, changer de sang, aller vers de nouvelles têtes, d'autres compétences. D'autres interlocuteurs. Ben oui, rester toujours les mêmes, on connaît après le résultat. Est-ce que vous pensez que, par exemple, vous avez parlé d'importateurs, les recycler dans la production. Est-ce que les importateurs sont tous intéressés par se recycler dans la production? Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Bon, les importateurs sont des opérateurs, sont des hommes d'affaires. Oui. Mais ce qui les intéresse, c'est le profit. Et c'est logique et c'est normal. Donc, leur but, c'est maximiser les profits. Et s'ils trouvent qu'il y a les conditions favorables pour justement se recycler et aller vers l'investissement, ils sont prêts. Ils sont prêts à y aller. Moi, subhanallah, j'ai fait une réunion, je me retrouve avec 80 importateurs. Qu'est-ce que je suis avec rien du tout comme truc. On a pu et j'ai pu inciter les gens à les encourager à aller dans ce sens. Ils ont déposé. Il y en a quelques-uns qui ont pu quand même avoir des terrains, même c'est pas là où ils voulaient, mais ils ont commencé déjà à se lancer dans l'activité AD. Dans quel secteur?
L'agriculture. L'agriculture. Anna, c'est les importateurs de bananes, de les légumes et fruits qui m'ont approché. Et on a fait une réunion, ça les a encouragés à aller dans ce sens. Pourquoi je leur ai dit d'aller dans ce sens ? Parce que ce sont des opérateurs qui ont des années d'expérience, qui ont leur réseau à l'international. Mmh. Hein, donc, ils ont leur réseau. Et en plus de cela, ils ont un circuit de distribution au niveau national. Donc, je ne peux pas les casser avec l'élan Tahom. Le réseau à l'international, c'est un réseau qui vous vend, mais qui est prêt à acheter aussi. Mmh. Ce sont des traders. Ouais. Donc, profitez de ce portefeuille relationnel pour développer l'activité export. Et bien sûr, profitez de leur expérience et les capitaux générés depuis des années de l'importation. Et est-ce que, dernièrement, elle a été évoquée la question de l'accord d'association avec l'Union européenne. Est-ce que cet accord, presque 10 ans après sa signature, ou plus, hein, non, depuis 2001. Depuis 2001, la signature est entrée en vigueur 2005. Depuis cette date, est-ce que les exportateurs ou les opérateurs économiques algériens en extérieur ont bénéficié vraiment de cet accord ? Ça aussi, c'est une bonne question, mais moi, je vais la... Pourquoi nos opérateurs n'ont pas profité de l'opération ? Parce qu'il y a une absence d'information. Il y a un manque d'information. Oui. Il y a un manque d'informations. Vous allez prendre les responsables au niveau des différents ministères, parler de cet accord, ils ne sauront pas quoi vous dire. Ils n'ont pas les données. Donc on n'a pas bien vulgarisé, pour ne pas dire pas du tout vulgarisé, le contenu de ces accords. Et du coup, quand la chose n'est pas connue, on ne peut pas en profiter. Donc les accords de libre-échange avec les Européens ont profité pour les Européens. Eux savent bien ce qu'ils veulent faire de leur approche. Nous, malheureusement, nous avons couru derrière les Français pour signer les accords. C'était finalement plus politique qu'autre chose, qu'économique. Et à partir de là, on n'en profite pas. Il y a un déficit énorme pour le Trésor. Parce que là, on oublie qu'on est arrivé au taux 0 et au taux 5% de douane. En 2020, il va y avoir la levée des barrières. Mmh. On va se retrouver dans une zone de libre-échange avec 33 pays, je crois, en Europe maintenant. Ouais. Ils sont passés à 33 pays. Et ce n'est pas une partie facile pour l'Algérie, qui n'est pas encore prête pour justement aller dans cette confrontation. Est-ce que vous êtes favorable à l'adhésion de l'Algérie ou à l'accession de l'Algérie à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce ? Vous savez, je suis arrivé à dire que je suis prêt et d'accord pour accéder à toute forme d'accord et toute forme de coopération, même avec l'OMC, même si on n'est pas prêt, parce qu'on ne peut pas rester éternellement isolé du monde. Nous sommes censés participer au développement économique de la planète. Donc aller à l'OMC est devenu du coup une nécessité, alors que j'étais contre il y a quelques années, mais là je me rends compte de toute façon les acteurs les plus importants sont surtout les Européens qui bénéficient des accords de libre-échange, donc des facilités pour le marché algérien. Autant intégrer l'OMC et essayer d'en profiter avec d'autres pays avec lesquels on pourrait coopérer et travailler. Donc je suis pour l'OMC. L'Algérie négocie son accession depuis 1984 ou 85. Ouais. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique d'accéder à l'OMC de la part de l'Algérie ? C'est un sujet secondaire pour nos politiques. Oui. C'est pas prioritaire. C'est pas une priorité. Non. Je pense pas que ce soit une priorité. Sinon, ça n'aurait pas pris tout ce temps pour justement. On est parmi les rares pays qui ne sont pas dans l'OMC. Oui. C'est pas normal. Le dernier en date, c'était l'Arabie Saoudite qui a pu accéder. Voilà. Accéder à la Russie. Mmh. La Libye, c'est le seul pays arabe, il me semble, qui n'est pas membre avec l'Algérie. Oui. Monsieur Ismaël Almas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir parlé comme ça avec beaucoup de patience. Ah ben, c'était un plaisir de te retrouver déjà et d'être. Merci Ismaël. Avec vous. On se retrouvera bien sûr dans le futur pour étaler un peu, approfondir le sujet de l'économie, de l'exportation. Je rappelle que vous êtes président de Algérie Conseil Export, une association donc, de conseil dans l'exportation. Vous êtes expert en Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouvera tout à l'heure pour parler d'autre chose. On va parler un peu de culture. Au revoir. Au revoir.